Le Dieu de maman, c'est un Dieu. On ne sait pas comment le qualifier. Il rend fou. Alléluia. Parce que là où tu t'attends le moins, c'est là il agit. Alléluia. Et je pense qu'il y a un moment, je rendais témoignage de mes activités. Et je vais raccourcir. Récemment, j'avais tout arrêté. Tout. Quand maman m'a appelé une fois, maman m'a dit, mais ma fille, pourquoi tu n'acceptes pas de commencer comme ça par avion? Je lui ai dit, maman, non, pour le moment, je veux pas. En fait, c'est comme ça que j'ai dit, parce que moi, je suis dans l'import-export. J'étais focalisé sur le maritime. Elle me l'a dit à deux reprises. Ça m'a rien dit. Et après, quand je suis rentré, le Saint-Esprit m'a interpellé. Il m'a dit, mais attends, ce que ta maman t'a dit là, tu n'as pas entendu. Je me suis levé, puis il m'a dit, ah, maman, je suis rentré, voilà ce qui s'est passé. Elle m'a dit, ok. Je dis, maman, je vais commencer. Elle m'a dit, ma fille, vas-y, tu commences. Et maman m'a béni. Vraiment, on a une maman en or. Amen. C'est pas pour vous flatter. Elle est vraiment en or. Amen. C'est elle qui m'a donné le fond pour que je puisse commencer. Amen. Ça là, c'est seulement ça, ils sont en train de vous dire, mais elle fait beaucoup de choses. Et maman m'a donné 3 gros billets. Mais en tout cas, elle m'a donné de l'argent. C'était beaucoup. Et ce jour-là, elle a déclaré dans ma vie. Et quand je suis sorti de ce moment, ça n'a même pas fait une semaine. Moi, je continuais, je me suis dit, ben, de toutes les manières, maman a béni. Moi, je commence doucement, je vais aller. Et j'ai reçu un coup de fil en semaine. Et ce coup de fil-là, c'était quelqu'un que je connaissais pour qui j'avais ramené des affaires en Côte d'Ivoire. Et elle me demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne te sens plus, tu ne fais pas tes activités? Je lui ai dit, tu sais, c'est une affaire de financement parce que pour faire le maritime, il faut avoir un peu gros cœur. Ça demande beaucoup de sous. Elle m'a dit, ah bon, ça demande combien? Je lui ai dit, bon, pour faire un conteneur, il faut ceci, il faut cela. Et pendant que je t'entendais lui parler, vous savez, c'est compliqué. Nous, puisqu'on est à côté de maman, de parler d'argent, vous voyez, c'est difficile. Donc on fait très attention. Pendant que je lui parlais, la dame est en train de faire une demande de prêt. Je ne lui ai rien demandé. Elle m'a posé la question. Et elle est en train de faire sa demande de prêt. Et on était en train d'aller dans le week-end. Et quand elle a fini, la communication s'est coupée. Et j'ai rappelé. Monsieur le temps, elle m'a pas dit ce qui s'était passé. Vendredi, je pense qu'on était à la veillée. Et je suis là, je reçois un message. J'ai vu un message sur mon téléphone. En fait, elle avait fait une demande de prêt du montant que j'avais besoin pour faire ma chose. Alléluia. J'étais assise pour la veillée, j'étais pressée que maman arrive. J'étais pressée. Et le montant en fait qu'elle a fait, c'était le montant que maman m'avait montré, m'avait donné, multiplié par 100. Le montant que maman m'a donné là, le même commencement, je lui ai dit c'est multiplié par 100. Et quand elle a fini de faire, elle m'a envoyé, elle m'a dit, tu peux faire de ça, moi je vais financer tout ce qu'il te faut. Tu me payeras juste les intérêts que la banque me demande pour que tu puisses travailler. Quand maman est arrivée, il a dit, maman, ton Dieu là, il va nous rendre fou ici. Comment ça là? On va commencer où pour terminer où? Maman, voilà ce qui vient de se passer. J'ai donné seulement le... Je ne pouvais pas expliquer. Parce que moi-même, je n'ai jamais vu ça. C'était dans le week-end. Est-ce que vous avez déjà vu un prêt? Je ne sais pas comment ça se passait. Mais en combien de jours? Ça avait été le même jour quand elle a demandé. À la seconde, ils ont accepté. À la seconde, ils ont accepté. Lui ont envoyé le message retour. Lui disant que l'argent sera disponible tel jour. Je vous parle de vendredi, samedi. Vous voyez, je suis venu. Quand je suis arrivé, il a montré le message. Maman était toute tremblante. Il dit, maman, regarde. Maman, même comprenait. Il a dit, maman, regarde. Et puis, je me suis mise à genoux. Elle et moi, on a commencé à rigoler. Alléluia. Vous dites que notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Amen. Et je me souviens, pour ne pas m'arrêter comme ça, je pressais maman. J'ai dit, maman, le magasin là, faut que je libère. J'ai dit, maman, elle m'appelle trop. Le propriétaire m'appelle. Maman m'a dit, ma fille, non, tu libères pas. Quand il dit ça, mon cœur fait comme ça. J'ai dit, maman, ils vont m'appeler. Tous les jours, on est dans mon oreille pour loyer. Maman m'a dit, la même manière que Dieu t'a donné ce magasin-là. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il va le payer. Mais vraiment, maman est à côté. Mais comme on disait ça, vraiment, il a dit, mais ça va se passer comment? Mais voilà le comment du pourquoi. Amen. Mais le Seigneur a fait, il est fidèle à ses paroles. Pour dire que quand maman sort une parole, elle n'a pas prié en langue sur ma tête. Elle n'a pas ri babakete comme les Ivoiriens disent. Elle n'a pas parlé en langue. Elle a déclaré. Amen. Je pense que Jésus saisit ma parole. Et puis j'ai pris. Amen. Et c'est comme ça que tout a été fait. Et puis je suis tranquille. Et puis elle aussi elle est contente. Amen. Parce que c'est une maman qui aime voir ses enfants dans la joie. Alors je voudrais qu'avec moi on puisse bénir le Dieu de maman Yvette. Je voudrais qu'avec moi quelqu'un puisse célébrer le Dieu de maman Yvette. Qu'avec moi quelqu'un puisse élever le Dieu de maman Yvette. Parce qu'il est surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Merci maman. Ma fille, ton témoignage est scellé dans le sang. Amen. Il y a plein de surprises qui arrivent. Amen, amen. Reste accroché et fidèle. Amen. Obéissant. Amen. Et tu verras plus que ça. Amen. 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 Ceci c'est pour dire que lorsque Dieu a commencé, il termine. Il s'appelle l'Alpha Omega. Le magasin, elle ne sait même pas comment elle a eu le magasin. Donc le magasin, on l'a présenté le magasin du jour au lendemain. Quelqu'un a viré l'argent le même montant dans son compte. Elle allait payer le magasin. Donc quand maintenant Dieu lui dit, mets pause pour qu'on fait mon œuvre. Mets pause. Donc le magasin maintenant, la caution est finie. Faut maintenant payer le loyer.
Elle me dit, maman, on me dérange. J'ai dit non, on va payer ça. Elle reste jusqu'à elle revient encore. Maman, est-ce que je peux diviser et mettre quelqu'un dessus? Je la regarde comme ça. Elle dit, j'ai compris. Je n'ai rien dit. Elle dit, maman, est-ce que je peux diviser et mettre quelque chose? Puisque je l'ai déjà enseigné que tu ne peux pas partager, tu ne peux pas donner ta chose après demander que tu partages. Qui tu veux mettre à côté de toi? Est-ce que vous avez les mêmes étoiles? Et vous êtes pareil. Après, quand je prie, Dieu me dit, après, je me dis, peut-être elle a posé des questions à Dieu à la maison. Je lui dis que ma fille, le Seigneur m'a dit, il va payer ton loyer. Je ne sais pas comment, mais il va payer. Concentre-toi, sois humble et fidèle. Il fera. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui t'a donné. C'est toi qui avais cherché le magasin, c'est toi qui avais payé. Je lui dis, il faut laisser encore voir. Ça, c'est Dieu. Alléluia. En fait, je veux dire aux gens, je pense qu'ils m'entendent même. C'est comme un homme qui m'a appelé en Afrique. Ses affaires étaient bloquées à une dimension. Vous avez déjà vu où on demande le crédit vendredi, on accepte vendredi et lundi, vous avez le virement. La dame même a dit que ton affaire, là, il n'y a pas Dieu dedans. Elle a dit à ma fille que ton affaire, s'il y a Dieu dedans, c'est que Dieu là, tu pries. Elle l'a demandé pour elle, à l'avance, ça n'a pas marché. On a répondu non, oui, et ça n'a pas été moins et à la moitié de ce qu'on a accordé à ma fille. Maintenant, quand c'est venu au nom de ma fille, là, tout de suite, on a validé. Pour elle, quand elle a demandé là, on a refusé. Elle dit, mais j'ai essayé seulement parce qu'on m'avait déjà refusé. Mais la même banque t'a validé l'argent. En fait, ça, c'est pour vous dire que là où les hommes ne sont pas passés, toi, tu dois passer. De quel Jésus nous prions? On ne peut pas prier Jésus et marcher comme... Non, mais c'est pas possible. Quand ma fille témoignait dimanche, ma fille Marina, elle dit qu'elle a oublié de préciser quelque chose. Depuis le jour qu'elle a commencé à respecter sa dîme, l'argent reste dans son compte jusqu'au mois prochain. Chose qu'elle n'a jamais. Donc quand elle a fini de témoigner, elle est partie, c'est soit le Saint-Esprit a commencé à la taper. Pourquoi tu n'as pas fini? Elle avait honte de se lever encore. Tapez, pourquoi tu n'as pas fini ça? Non, un homme qui m'appelle me dit, servant de Dieu, j'ai traité qu'avec les meilleurs. Même 5 000 francs me dépassent maintenant. Je peux traiter toutes sortes d'affaires. Quand c'est sur le point d'aboutir, là, rien. Il dit, ah bon, il dit oui. Je ouvre mes yeux, je vois, il a un serpent qu'on a posé ici comme ça. Et la tête est là comme ça. Personne ne peut l'aider. Aucun homme, celui qui tente de prier même, s'il n'est pas de la loge là, on va l'avaler. Je dis, mais je vois un gros serpent sur ton épaule. C'est comme, elle dit, maman, ça bouge même. Quand je verse l'eau sur moi, ça fait que, et j'ai appelé tous les hommes de Dieu. L'autre monde dit, appelle les jets privés. Je me voici, maman. Tous les hommes de Dieu que j'ai dénoncés là, ils ont prié pour lui. D'autres sont même ses amis. Elle dit, maman, rien. Elle dit, ok, je commande ça de quitter. Il dit, quand je finis, d'un coup, il sent une diarrhée. Il dit à son ami, il a un rendez-vous qu'il a fait avec papa, donc dépose-moi à la maison. Il allait aux toilettes 2 fois. Après, il court à la douche. Il se baigne. Il ne sent pas l'aider. Ça ne bouge pas. Donc, même pour se laver, il avait peur. Il se sent léger. Il fait comme ça, rien. Mais attends. La dame n'a prié qu'une minute. C'est quel genre de prière? Vers 18h. Les financements qu'il a demandé depuis 2 ans, on l'a même jamais calculé. On envoie un SMS. Venez chercher votre argent. C'est validé. Attends. Le message arrive. Il regarde. Il dit, mais c'est pas possible. Attends, je peux même pas accorder au prêt. Non. Non, non, attends, faut d'abord que j'envoie la servante de Dieu avant de finir de lire. Ça, c'est quand il y a des servantes de Dieu. Il appelle sa femme. La dame, là, tu as trouvé où? Il y a sa femme que mais. Il dit que je t'ai dit, celle-là, c'est du tir au tac. Moi-même que je suis là, me voici au Congo. Quand j'ai mis pied là-bas, mes finances, ça vient, je ne sais même pas comment ça vient. Moi, je ne voyais plus l'argent. Donc, je me répare à quelqu'un. Quand tu es là, ne sois pas enchaîné.